métier, je ne sais plus trop ce que c'est. Avant, j'étais aventurier, aviateur, photographe. Maintenant, je suis surtout photographe, un peu aventurier, et surtout au service d'une cause qui est la préservation du vivant, des espèces en voie de disparition. Une rencontre dans les montagnes des Virunga, alors que je travaillais sur les gorilles de montagne. Et un gorille de 250 kg est venu s'asseoir à côté de moi, m'a regardé droit dans les yeux, et je me suis senti appelé. J'ai eu l'impression qu'il me disait « Toi, tu vas faire un truc pour nous, fais-le ». Et quand il m'a regardé dans les yeux, la frontière entre humanité et animalité est devenue extrêmement floue. Je suis descendu des montagnes, j'ai dit « Je vais pas juste être photographe, je vais mettre mon petit talent au service de la préservation des espèces en voie de disparition ». Ça, en langage de chat, c'est « Je veux jouer avec toi ». Je m'intéresse un peu. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Comme si moi j'étais donc devant votre porte. Au bout de quelques heures, vous allez sortir, vous dire « Mais vous voulez quoi ? Je peux vous aider ?» Bah, lui, il fait pareil. Il vient vers moi. Et quand il arrive à une dizaine de mètres, là, mes pisteurs, ils partent en courant. Les gens qui travaillent avec moi. Moi, je ne bouge pas. Je leur regarde droit dans les yeux. Et je lui fais ça. Ça, chez les chats, ça veut dire « Je baisse ma garde. Sommes-nous en confiance ?» Si regarde, je ne suis pas ton ennemi. Je suis paisible. Et je dis toujours en boutade, mais c'est pas faux, que j'ai jamais autant appris sur les humains que depuis que j'étudie les animaux. Et les humains m'ont jamais autant fait peur. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est que... D'abord, je ne savais pas que la situation était celle qu'elle est. Au-delà des quelques vidéos catastrophistes qu'on voit sur Facebook, on est très loin d'en toucher la réalité. Quand on va sur le terrain, on voit qu'il en reste très peu. On voit que la pression de l'homme sur leur territoire est devenue trop forte, mais on comprend très vite que le vivant dans sa globalité est interconnecté, et qu'en fait, quand on parle d'espèces en voie de disparition, la dernière, ce sera l'homme. Et d'où l'importance de toutes les préserver, parce qu'on ne se rend pas compte de leur rôle à chaque fois, et du déséquilibre potentiel qu'on peut créer en laissant une disparaître. L'animal, il peut être dangereux de temps en temps si on ne respecte pas ses codes. Mais si on les respecte, il n'est pas dangereux. Les gorilles, je suis allé m'asseoir à côté d'eux. Les pumas, je les ai approchés aussi près que je vous approche vous. Ils m'ont rien fait du tout. Le deuxième truc que vous avez peut-être vu sur les photos qu'on va aller voir tout à l'heure, c'est fait en noir et blanc et de face, en les regardant dans les yeux. Parce que c'est comme ça qu'on aurait photographié des gens. Ce que je n'aime pas, c'est le... C'est dit très simplement et très naïvement, mais c'est l'arrogance de l'homme. L'homme avec un grand H, quoi, qui se croit... détenteur du pouvoir de décider de la vie ou de la mort d'une espèce ou d'une autre sur cette terre, et qui n'a pas compris que le déséquilibre allait jouer en sa faveur. D'ailleurs, il y a une phrase que j'adore d'Hubert Reeves qui dit « Sur le vaisseau Terre, il n'y a aucun passager, il n'y a que des membres d'équipage. C'est notre maison, c'est la seule, on est tous responsables et on doit tous agir ou à minima la respecter ».